dans le temps, il partait sur la mer, voile au vent, quand vivaient les corsaires. Il s'en allait, le cœur léger, il s'enivrait d'aventure. Dans le temps, il chantait sur la mer, voile au vent, il vivait les corsaires. Au jour le jour, mais pour l'amour, il n'avait que la mer, les corsaires. Plus fort qu'on puisse vous entendre jusqu'à la cuisine. Encore un peu. En l'honneur des cailles aux raisins cuites dans une sauce qui donne envie de se rouler dedans, à la reine des cieux. À la reine des cieux. Ma petite allocution. Nous sommes réunis en ce soir de Liesse pour fêter celui qui est votre ami et mon élève favori, Nicolas de Paray de Courcic. Ainsi donc, cher Nicolas, l'honneur vous est soit de devenir capitaine de vaisseau alors que vous n'avez que 24 ans. Et vive Nicolas! Ah, tu peux dire qu'on t'a offert un beau festin. On ne peut pas rêver mieux. Et à la hauteur de l'événement, je crois. Pour Nicolas, Notre-Dame! Notre-Dame! Déclare! Camarade! Cette rue tangue plus que le pont une felouque. Tenez-le bien, il n'arrivera jamais chez lui. Ah, t'inquiète pas, je le tiens par les amarres. Allez, bonne nuit. Vous salue. Tu sais que tu es tout rouge, toi. Ah, je ferais bien de t'emmener chez le barbier. Oui, pour qu'il te saigne. Oh, pas question, avec mon sang, je perdrai mon Bourgogne. Oh. Pique le tien. Ah, il a rien sur lui. Vite, dans le tonneau. Allons, tout de suite, dans le tonneau. Allez, allez. Pas de place pour moi? Excusez-moi d'être en retard, mais j'étais occupé ailleurs. Hein, fiche-moi la paix, j'ai que 3 écus sur moi. 3 écus? 3 écus et quelques sols. Alors tu vois, le jeu ne vaut pas la chandelle. Eh bien, mettez ça avec le reste, histoire d'intéresser la partie. Méfie-toi, François, il est fort. C'est pour ça que vous le mettez à tremper? Qu'est-ce que vous croyez qu'il reste à ramollir chez ce veau? Ménage ton souffle. Ça n'y comptait pas. C'est une habitude de professeur. J'avais une salle d'armes à Libourne. Tenez, voilà ce qu'on apprenait chez moi en première année. Bon. Seconde année. Approche. Le tonneau! Non! Ma botte secrète. Excusez-moi, personne jusqu'à présent n'y a réchappé. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Il ne m'a même pas touché. Comment? Vous n'avez pas mon épée en plein dans le corps? Ton épée? Tiens, regarde où elle est. À moi maintenant. Attrape! Hop.
Katsu. Allez. On se massacre? C'est moi, Sudro, je suis en train de corriger des voleurs. Bravo, monsieur de Courcic. Chassez-moi toute cette canaille qui infeste les parages. Là, si vous permettez. Il ira plus vite. Va te faire pendre ailleurs. C'est à vous, je crois. Aucune importance, tu peux le garder. Mademoiselle Cécile, faites vite. Cécile. Cécile! Voilà son frère, Pilet! Tu vas pas me tuer pour ça. Non, mais t'ont-ils envie de recommencer? Cécile. Cécile. Oh, Cécile. Cécile. Du Père et du Fils, du Saint-Esprit, c'est tout.
Il y a là trois hommes qui désirent vous parler. Monsieur Jean-Timothée Nicolas de Coursic. Oui. Au nom du roi, je vous arrête. Veuillez nous suivre sans opposer de résistance. Puis-je au moins connaître les motifs de cette mesure? Vous le saurez bientôt. Nous avons l'ordre de vous conduire sans tarder à l'hôtel de ville, où vous devez comparaître devant son Excellence le gouverneur. Je vous accuse d'avoir assassiné mon fils Alain. Mais c'est faux, monsieur. Alain est mort. Précipité par vous sous les roues de sa voiture. Comment pouvez-vous dire une chose pareille sans me regarder en face? Parce que j'ai avant tout le respect de ma dignité. Et que j'ai peur de sauter à la gorge d'un homme qui a eu l'audace d'assassiner non seulement son ami d'enfance, mais aussi sa propre sœur. Ma sœur? Oui, votre sœur, parce qu'elle fuyait avec lui. Encore une fois, c'est faux. Cécile détestait Alain. Pourquoi l'avoir tué, elle aussi? Je ne l'ai pas tué. C'est prouvé. Comment? Prouvé. Tout vous accuse. Alain m'avait fait part depuis longtemps d'un projet qui lui tenait à cœur. Épouser Cécile. Vous avait-il dit aussi qu'elle y consentait? C'est vous, monsieur, qui n'y consentiez pas. Jamais de la vie, Cécile était libre. Et vous ne vouliez pas par pur orgueil. Comme si les Kellec ne valaient pas les Coursic. Je l'avoue, j'aurais été heureux que Cécile devienne ma bru. Et voilà que par votre faute, tout cela aura fini dans le sang. Mais aussi tout cela sera vengé. Monsieur. Je le jure, je vengerai Cécile, comme si elle avait été ma propre fille. Mais monsieur, vous vous trompez complètement. Votre version ne repose sur rien. J'ai des preuves certaines. Le cocher vous a formellement accusé avant de mourir. Le cocher? Oui, le cocher. Et je pense qu'aussi loin que vous soyez descendu dans le crime, vous n'oserez pas récuser les dernières paroles d'un mourant. Jetez-moi cet homme à la tour. Ben, je vois toujours pas pourquoi il aurait dit ça, le cocher. Parce qu'il savait pas qu'il allait mourir. Et pourquoi le Kellec il aurait enlevé la fille? Parce qu'elle voulait pas l'épouser. Ouais, tu y crois à ça, toi? Et Nicolas, pourquoi qu'il était pas chez lui? On te l'a déjà dit 100 fois. En douille. Il donnait une fête. Et pourquoi qu'il ait donné cette fête, hein? Et pourquoi qu'il est rentré si tard, alors? Et pourquoi il s'est mis à ferrailler avec vous, hein? Pourquoi? Et pourquoi t'es si bouché? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour moi, c'est louche. Vous voulez mon avis? Les nobles, c'est tous des assassins. Pas de Coursic, tout de même. De Coursic comme les autres. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure. Répète que de Coursic est un assassin, je t'écrase la gueule. Mais qu'est-ce qui te prend? Répète. C'est un ami à toi? Non. Alors pourquoi tu le défends? Il me plaît, moi, ce garçon. Mon cher garçon. Ne vous donnez pas tant de mal, maître. Je sais tout. Comment? Cette nuit, on a doublé les rondes devant ma porte. Le chef des geôliers m'a apporté lui-même ma nourriture. Ma grâce est refusée, n'est-ce pas? C'est ça. Il vous faut beaucoup de courage. Dites-moi simplement, c'est pour quand? Dans 8 jours. 8 jours. Hé, hey, l'ami, tu nous donnes un coup de main?
sait bien qu'il est interdit d'approcher moins de 3 encablures. Défendu, défendu. Les poissons, ils s'en foutent de vos encablures. Eh bien, au large, quand même. Au large, si t'es pas malheureux. Ben, je reviendrai cette nuit. Ça, je te le déconseille. La nuit, nous, on tire sans sommation. Ah oui? Eh bien, regarde bien la mer, cette nuit. Je viendrai, et tu me verras pas. Ah oui? T'es pas assez malin pour moi, mon gars. T'as pas plus de cervelle que mes flotteurs. Bon, allez, au large! Tâche de bien comprendre ça. Tu les vois, mes flotteurs? Ils sont moins creux que ta caboche, abruti. Mes flotteurs!
temps, il vivait sur la mer, dans le vent, mille et une de misère. Mais il chantait, le cœur léger, il se couvrait de blessures. Dans le temps, sans pays, sans frontières, sous le vent, il regrettait la terre. Mais tous les jours, leur grand amour, c'était la mer, les corsaires. Mais tous les jours, leur grand amour,